salut à tous, c'est Steph, et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre aventure sur PES15, la carrière vers une légende. Et aujourd'hui c'est Europa League dans ce match, contre l'Inter, ensuite on aura Eibar, mais je sais pas si on va jouer en Coupe du Roi en plus. Et match aller-retour, à quelques jours d'intervalle. Et après, putain, une grosse, hein, un gros épisode, beaucoup de matchs là. Alors, je sais pas si je m'attendrai qu'on les joue tous, mais en tout cas, voilà, on a beaucoup de matchs. Alors, au niveau d'entraînement, la dernière fois, j'avais réglé. Ouais. Je vais essayer de jouer mieux qu'avant. C'est pas évident, parce que je suis pas très bon. Je suis pas très bon, ça se voit hein, quand même. Hein. Ça crève les yeux. Alors, on va essayer quand même de bien jouer. C'est vrai que j'ai de belles occasions, mais c'est dommage. J'ai toujours l'impression que mon joueur il tire sur le gardien. C'est assez gênant. Allez, on joue contre l'Inter. Une bonne équipe. Oh là. Je sais même plus qui c'est qui a l'Inter maintenant. Les gars, faut presser là. Osvaldo, tiens, il est à l'Inter. L'Osvaldo qui est en Angleterre, on est d'accord, non? Allez, tacle! Ah, mais t'aurais dû tacler là! Ah, je me sens un petit peu seul là. La passe dans la profondeur. Bien joué! La défense l'a très bien muselé, sans lui laisser. Ah ouais, mais non, c'est pas ça que je voulais moi. Ouais, mais c'est pas ça que je voulais, garçon. J'ai demandé une passe, tu sais, j'étais pas du tout en bonne position pour pouvoir partir, j'étais quasiment à l'arrêt. J'ai demandé une passe, qu'est-ce qu'il fait le gars? Il me fait une passe. Alors qu'on attend encore l'ouverture du score. Allez. Il est parti, mon coéquipier. Il est parti, mon coéquipier. Je fais des appels. Ça sera contré, ça sera incorné. Pardon, j'ai mis un petit coup de la manette dans le micro. Essayez d'être précis, toucher un coéquipier. Santon, ah, c'est vrai, Santon, il est là. Allez, la tête! La tête! Non, j'ai pas le dessus! J'ai appuyé trop tôt! Je vais revenir un peu derrière. Merde. La frappe! Plein dans les bras des gardiens. Ouais, bah, la finesse à 20-25 mètres, faut quand même oublier. Putain, ils sont pas mauvais de la tête. Hein. Ils sont pas mauvais de la tête. Évitez de jouer comme ça, les gars, quand même. Ah ouais, mais c'est quoi cette passe? C'est quoi cette passe aussi? Putain. On peut pas leur dire qu'ils nous fassent dans les pieds? Putain, mon joueur, il prend pas les appels, quoi. Il se cale pas dans les appels, quoi. C'est chiant. Wow. J'avais pris le dessus sur mon vis-à-vis, quoi. Putain, j'avais réussi à le pousser. Je l'ai pas touché. Je l'ai pas touché. Et ses partenaires viennent voir comment il va. Bah vas-y, on le ralentit. Ah si. Merde, j'ai cru que j'avais taclé à côté en plus. Moi je le voyais à côté moi. Bon, je fais un match de merde et en plus je prends un carton. Ah oh putain. Oh, c'est pas le bon endroit pour perdre le ballon là, garçon. Dommage, c'était pourtant bien tenté. De retour de soin. Coup de sifflet, fin de la première mi-temps. Bon. Allez, faut se réveiller un peu là. Faut arrêter de jouer mal comme ça. Mais ils me donnent pas des bons ballons non plus, quoi. Chaque fois, ils sont obligés de me foutre des ballons vers le haut, là. Non, c'est pas moi qui sors alors que j'ai pris un jaune. Bien joué. Non ? Allez.
Ah non! Putain, j'ai été gêné par mon collègue. J'ai été gêné par mon collègue, j'ai fait un... J'ai fait l'appel, mais ce trou du cul, il me l'a fait une passe en profondeur moisie de je sais pas d'où il a sorti celle-là. Ah, ça c'est bien joué ça. C'était bien joué. Il m'a fait une passe en profondeur moisie, le gars, et puis voilà. Et puis j'ai mon collègue qui m'a gêné. Putain, je suis sûr que j'étais dessus en plus. Ouais. Ce gars était très très bien placé. Allez, il faut qu'on soit un peu plus dangereux comme ça. C'était bien ça. Je sais pas combien il pèse lui, mais il doit peser assez lourd. Au moins 100 tonnes. Ça, c'était une blague facile sur ce pauvre garçon. Bien joué, garçon. Ouais, mais là, vous laissez pas. Là, tu laisses pas passer, là. Putain, t'as failli nous mettre un autre goal, garçon. Tu le sais, ça. Merde. Oh, la frappe. Non, 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 mais il fallait pas faire ça. Pas encore de but inscrit dans cette rencontre, mais ça pourrait changer. Fallait pas faire ça. Fallait relancer sur moi. Bien joué. C'est peut-être un peu emballé sur ce coup. Attention, fais gaffe, fais gaffe. Il pourrait faire rentrer des joueurs frais, il leur reste deux changements. Allez. Ils font bien tourner, mais ça manque de verticalité. Allez, la petite passe sur le côté là. Non, non, putain. Il me fait chier ce blondinet là. Il est chiant, hein. Il fait souvent des mauvaises passes, hein. C'est joué loin devant. J'essaie de souvent écarter le jeu sur lui, mais. Bien joué. Ah ouais, mais va chercher le ballon toi aussi là. Mec, il me fait un appel. Un appel un peu pourrable. Allez, bien joué. Voilà une bonne occasion de contre. Non. Ah putain. 5 minutes de la fin du temps réglementaire. Un score toujours nul. Quel suspense encore dans cette rencontre. Mais oui, c'est ça qui est con, parce que c'est nul. Allez. Allez, bien joué. Non, non. Je vais récupérer le ballon. Bien joué. Ah putain, trop sur le gardien. Ah. On aurait pu enflammer la fin du match, mais... Totalement. 6. Non, c'était un match nul, nul. C'était un match nul, nul. Je suis désolé. Putain. Comment je peux avoir 81, quoi? Allez, Copa del Rey. On rejoint un deuxième tour et j'étais intégré à la formation de départ. Mais monsieur l'entraîneur, tu es fou! Tu es fou! Pourquoi tu me laisses jouer? Je viens de jouer. Je viens de jouer juste avant. On joue toujours avec le maillot jaune en fait. C'est comme ça, on est les leaders, on joue avec le maillot jaune. Non, je déconne, on n'est pas leader du tout. Allez, il faut marquer des buts quand même là. Oh les garçons là! Putain! Ça va être le buteur qui marque le moins de buts de toute la Liga, quoi. Putain, mais pourquoi tu vas pas chercher le ballon, le milieu défensif, là? T'attends quoi? Il allonge. Allez, ça c'est bien joué, ça. Allez, ça c'est bien joué, ça. Non, non, non! Pourquoi tu tires pas? Le mec, il se laisse passer devant et tout. Et il a l'occasion de récupérer le ballon, mais il se laisse passer devant, le type. Tu fiches de moi? T'es sérieux là? On attend toujours le premier tir. Putain, j'avais l'occasion de tirer, je demande de tirer, mais non, le mec il se pousse, limite il se pousse, il laisse le ballon à l'adversaire. Pourquoi tu fais ça là? Pourquoi tu joues pas à terre là? Voilà, c'est le meilleur moyen de perdre le ballon ça. Voilà, je veux bien que tu joues en haut, parce que c'est sans risque, mais. Bon, le score est toujours nul et vierge.
Renvoie derrière, renvoie derrière. Cherche pas, garçon. Cherche pas comme ça, là. Attention à cette passe lobée. Ça, c'est... Putain. Il faut y croire, celle-là. Hein. Directement pour le gardien. Il faut y croire, celle-là. Ah putain! J'ai demandé le décalage, mais là j'ai. J'aurais dû essayer de contrôler peut-être. Au lieu de faire l'andouille. Putain, les gars, vous pressez pas assez en fait. Allez! La frappe, non, c'est pas vrai. Putain. Mais c'est pas vrai, quoi. Quoi, c'est pas vrai, mais je vais jamais réussir à cadrer, mais c'est incroyable, ça. Un but maintenant, ça serait pas mal. Oula. On joue sur l'aile, il est servi. La passe. Putain, j'avais demandé la passe depuis longtemps, quoi. Fous-toi de ma gueule, toi. Oh là, l'espace, l'espace, il est sublime, la frappe. Oh, c'est contré, dommage. C'est dommage. La passe était bonne, hein. Il avait bien enchaîné, en plus, le blondinet. Wow, c'était pas trop mal joué, ça. Comment ça a pu passer, ça? Eh ben, tu pousses, c'est un autre blondinet, tu pousses. Le bon service. Non! Putain, pourtant j'ai mis, tu sais, explosivité, là, pour faire un... La faute. C'est pas vrai, t'as pas le droit, monsieur l'arbitre. Je joue le ballon. Je joue le ballon, monsieur l'arbitre, t'as pas le droit. Mais c'est, ouais, c'est pas la mi-temps, on était à 50 minutes de jeu. Bon, on a eu des occasions là. Enfin, j'ai eu des occasions monstrueuses encore une fois. Incapable de cadrer, quoi. Incapable de cadrer, le gars. Aucun but marqué d'un côté comme de l'autre. 0-0 à la mi-temps. Allez, la petite talonnette, on aime bien ça. Wow, putain, mais c'est pas vrai. Mais c'est pas vrai. L'inspiration repiquée dans l'axe comme ça, c'était génial. Oh, mais elle était parfaite, celle-là, bordel. Il a failli marquer un nouveau but. Faudrait d'abord qu'il commence à les mettre. Putain, mais ouais, mais ça, ça doit être au fond, là. On devrait être au moins à 3-0, là. Logiquement, on devrait être à 3-0, là. La frappe! Non, mais c'est pas vrai! C'est sur le gardien, sinon, quoi! Fuck, c'est pas vrai! Là, c'est tout de même pas très rassurant de la part du gardien. Et le ballon qui est remis dans l'axe. Bien joué. La passe est précise. Il file vers le but. Wap! La frappe! C'est dégagé, loin devant. C'est centré. Bien joué, la tête! Non. Et le danger est écarté. Putain! Plus l'ouverture du score pourrait être décisive. C'est chaud, quoi. Il pourrait faire rentrer des joueurs frais, il leur reste deux changements. Ah ouais, mais non, tu me l'as mal donné, là, garçon. Seul moment où je veux un appel en profondeur, tu me l'as fait pas en profondeur, quoi. Ça soulage la défense. Le long dégagement du gardien. Allez. Ah. C'est quoi ça? C'était quoi ça? C'était pas pour moi là, j'étais pas du tout là moi. Allez. Allez, on va finir par la trouver cette putain d'ouverture là.
Non, t'as pas le droit, tu dois le prendre ça. Allez, blondiner là. C'est ça qu'on aime. Dans le dos de la défense, le voilà servi. Il a tenté, bien joué. La frappe, c'est contré. Oh, le manque de réussite. C'est contré. J'ai vu que c'était contré. C'est pas m'arnaquer un corner. Jonathan Dos Santos, il va tirer ce corner. Ne tire pas sur moi. Pourquoi tu tires sur moi? Je suis le plus petit de l'équipe et tu tires les corners sur moi, quoi. Arrête de les tirer sur moi, ces putains de corners, là. Bon, vas-y, comment il peut la faire, cette passe, quoi. Bien joué. Mais pourquoi pénalty? Ça ne va pas servir à grand chose de contester. L'arbitre a déjà désigné le petit point blanc. Vas-y, je joue le ballon là. Je suis où moi? Je suis là-bas. C'est fini là. Putain, je suis dégoûté quoi. Je suis dégoûté. Hein. C'est de l'abus. Tout ce que je rate moi. Tout ce que je rate, mais c'est incroyable. Je sais pas comment faire en fait pour. Comment on fait pour marquer des buts? Il faudrait que je trouve un tuto. Comment on fait pour marquer des buts sur PES? D'où tu sors le ballon? C'est pied haut ça, monsieur l'arbitre, c'est une faute ça. Il a pas le droit de faire ça lui. Le mec il sort son pied juste en face de ma gueule, c'est pied haut ça, c'est une faute hein. Putain, c'est dégoûtant, hein. C'est dégoûtant, quoi. C'est totalement de l'abus, quoi. Ouais, mais c'est totalement de l'abus, quoi. Tu fais tout pendant tout le match, et l'autre, il chope un vieux pénalty en fin de match, quoi. Oh, un seul tir. Putain, mais... 6 tirs, 3 cadrés, quoi. Je sais pas, mais qu'est-ce que tu veux faire, quoi? Quand je tire, soit c'est à côté, soit c'est sur le gardien. Putain, ça fait combien de temps que j'ai pas marqué un but? J'en ai marqué déjà encore? J'ai marqué un seul but. Un seul but. En 9 matchs. Est-ce que c'est pas l'attaquant qui a le rendement le plus mauvais de toute la Liga, quoi? Et j'arrive à être titulaire avec des performances comme ça, quoi. C'est incroyable. Moi, je serais le coach, même pas je me ferais jouer. En plus, je gagne de la confiance manager, quoi. Tu te demandes comment il fait le type pour gagner de la confiance manager alors qu'il joue quand même pied, quoi. Il arrive même pas à claquer un petit but de merde. D'accord, c'est soit bleu, soit... D'accord. Je ne souviens plus qu'est-ce que c'était la deuxième couleur. Mais quelle galère! Quelle galère! Moi, je vous dis... Allez, putain, ce serait bien d'aller marquer un petit but quand même. Un petit but ou au moins une petite passe d'ess là. Putain, c'est chaud. J'avais essayé de faire des gestes techniques, mais c'est super dur dans le PES. Il faut faire des combinaisons de touches, mais qui sont totalement... Je déteste quand on doit faire des combinaisons de touches. Allez! Le ballon il passe à côté de lui, il prend pas quoi. Putain, il y a un de mes joueurs qui fait ça, je suis dégoûté. Moi. Ça sort ça. Oh le vieux bug. Oh. Non, il fait ça pour. Oh, en plus, il fait ça pour donner un corner. Non, mais alors là, si en plus on prend un but là-dessus. Vas-y, comment tu peux le passer jusqu'à... Comment il a pu passer le ballon à travers mon joueur? Mario. Giovanni Dos Santos. Allez. Saras. Putain, mais y'a personne au milieu, bordel. Vous voulez pas que ce soit votre boulot au milieu ou quoi là? Allez, mes pouces! Si vous nous
panier. Sachez que vous n'avez manqué aucun but, mais alors aucun. Ah ouais, mais non, mais putain, mais c'est quoi cette pince, quoi? Pour une fois, je veux une passe en par-dessus. Qu'est-ce qu'il me fait? Il me fait une passe à ras-de-terre. C'est vraiment chiant, le fait qu'il puisse pas choisir où est-ce que tu veux ton ballon, quoi, précisément. Parce que ça aiderait tellement au niveau du jeu, quoi. Ça aiderait tellement. Tu pourrais vraiment faire ce que tu veux. Boum! La rage. Elle n'a pas été contrée. Il me semble qu'elle a été contrée. Non, oh non. Pleine lucarne. Non, il me semblait qu'elle avait été contrée par le défenseur, qui avait taclé un tout petit peu, mais non. Allez, ça fait un partout normal. Parce qu'ils ont gagné 1-0 chez eux, même si j'aurais jamais dû gagner 1-0. Vas-y, le mec il touche à peine et il tombe là. Il va prendre un carton en plus pour ça, quoi. Monsieur l'arbitre, regardez ses simulations. Regardez, hop là. Ses simulations. Bon, il y a mis un petit coup de pied, mais c'est pas grave. Putain, je suis déjà crevé, c'est qu'on est à 36ème. Bah, ça fait 3 matchs en une semaine aussi. Hein. Oh là 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 là. Allez, on vient défendre nous parce qu'on est un mec bien. Allez, ça c'est bien joué ça. On va se replacer. C'était quoi ça? Ça aurait pu. Bon, enfin, on a débloqué un peu notre compteur but. C'est pas trop tôt, hein. C'est pas trop tôt. C'est la même équipe qu'au match aller, ça. Ils ont carrément inversé la tendance. Et ils pourraient bien l'emporter. Inverser la tendance. On a tellement dominé le premier match et en perdant. Que là, un seul tir, un but. Ouais, mais putain, mais ils vont pas au pressing. Ils vont pas au pressing. C'est quoi ces joueurs qui vont pas au pressing là? Ils obtiennent la touche. Putain, les gars, il faut presser, quoi. J'ai l'impression que mes joueurs que j'avais avant, ils étaient meilleurs que ça, quoi. Jokic. Voilà. Voilà, désolé. Oui, bah, faut dire que ça manquait de précision aussi. Bah, la précision était là, mais... Est-ce que je vais pouvoir sauver? Ouais, j'ai réussi à sauver. J'ai réussi à sauver le ballon, c'était incroyable. Incroyable, je me suis arraché pour aller sauver ce ballon. Allez, faut pas qu'il marque là. Le coup du péno à 90ème là. Il joue dans l'espace. Ce ballon dans l'axe. Allez, charge, merde. Retour à l'envoyeur. Pourquoi il y a autant de joueurs là? Non, mais c'est quoi cette pince? T'as vu où est-ce que tu l'as fait ta pince, quoi? Vas-y, Campbell, quoi. Déconne pas. Je suis totalement crevé, mais j'en ai rien à foutre. Bien joué. Ouais, je pense que le gardien est là. Dommage. Vas-y, comment il a fait ça, le mec? Télescopage de joueur. Le mec, il joue comme un bourrin, il est tout petit. Allez. Oh putain, ce manque d'accélération. Ouais, elle est contrée. Oh! La frappe et le but! Le but! Le but! Le 2-0! Et le 2-1! Putain, j'y croyais plus parce que quand le ballon était contré, je me suis dit ça y est, c'est fini, ça part en corner. Et puis après, j'ai vu
J'entends un petit clink. Qu'est-ce que c'est? Je crois que ça a été contré, ça a touché le poteau. Ouais, ouais, en fait, ça a touché le poteau. Ah non, c'est le gardien qui a boxé. Et du coup, là, j'ai redemandé le ballon parce qu'il y a le défenseur qui couvrait. Et là, j'ai pu percer un petit peu la défense. Petite accélération, même pas. Et la frappe. Le doublé dans ce match de Copa del Rey. Ouais. Il va falloir aussi que... Ouais, là, il faut défendre, les gars. Allez, il reste 5 petites minutes maintenant. Bien joué. Quelle belle défense, quelle belle défense. Ça fait 2-0. Et c'est la victoire. Ça fait plaisir. Non, on a perdu au premier tour. On a perdu au premier tour. Et au deuxième, on gagne grâce à un doublé. Voilà, on va passer contre qui? Alors on est la Villarreal, on va jouer contre Valence. C'est ça, je crois. On est quand même plutôt rapide. Hein. Bonne stat de puissance. Putain, ça fait en une semaine et demie, ça va faire 4 matchs en une semaine et demie. Ça va être un peu tendu, ça. J'ai été encore intégré à la formation de départ. Le mec, il joue 90 minutes tous les 3 jours. Le mec, c'est un fou. L'entraîneur, c'est un fou. Tu sais que je vais mourir au bout d'un moment. Je vais décéder sur le terrain, tu le sais. Mon joueur, il va finir par décéder. Heureusement, c'est peut-être parce que j'ai pris la capacité détermination. Grégoire Margoton pour le match d'aujourd'hui. Bonjour Grégoire, je dois t'avouer que depuis que j'ai pris place dans la tribune, je sens que quelque chose de grand va se passer aujourd'hui. Quelque chose de grand, de grow. Allez, on se fait pas dominer. Ça sent pas bon, surtout. Ça sent pas bon, surtout ça récupère derrière. On va s'écontrer. Sortez-moi ça, les gars, sortez-moi ça. Ouais. Putain, je suis déjà fatigué, quoi. J'ai déjà trois quarts de... Tu m'étonnes que je crame mon énergie avant la mi-temps, quoi. Ouais. Allez, mais fonce dessus. Putain, le pressing, zéro pressing quoi, zéro pressing. Il y a des Français à Grenade en plus, je crois, non? Putain, mais ils chopent tous les ballons. Allez. Il enchaîne les dribbles. Putain, mais si vous lui prenez le ballon, prenez-lui le ballon quoi. C'est passé. Allez. Ah, oh, quand même. Allez, hop, la petite talonnette derrière. J'ai raté ma tête. Ça aurait été présomptueux quand même d'aller faire un truc comme ça. Oh putain. Je l'avais vu en plus. Je l'ai senti en plus cette passe. Juan Carlos, c'est joué loin devant. Il écarte, il joue sur... Putain, comment il peut jouer? Comment il peut arriver à jouer? Il est couvert par deux personnes. Et il arrive à jouer quand même, quoi. Mais ça va centrer, ça va marquer, ça. Ils vont finir par nous en mettre un. Toutes les occasions qu'ils ont, là. Pathétique, comment il dit? Pathétique. Comment il se moque? Comment ils se moquent? Ils sont en train de faire exploser notre défense. À coup de grenade. Ça serait effectivement intéressant. Un but pour nous, ça serait mieux. Mais ça reste pas très réaliste. Ouais, non, mais ça va. Je te demande une passe, garçon. Tu me fais une passe. Tu fais pas une passe au voisin. Ouais, mais t'as vu un peu la qualité de ta passe, garçon. Jokic. Vous trouvez la faille dans la défense. Joel Campbell, bien servi sur le côté.
Hop, hop, hop. Monsieur l'arbitre, il y a faute, obstruction, il me rentre dedans, le type. Il me rentre dedans. J'aurais pas dû me retourner comme ça, en fait. C'est pas exactement ce que je voulais. Ils vont nous en mettre un, c'est obligé. Ça, regardez un peu ce pressing. Voilà. Ça, c'est du pressing, bordel. Allez, c'est à mi-temps. Aïe, aïe, aïe. C'est vrai. Alors que les autres, ils l'ont vu, hein. Allez, Campbell, t'abuses, hein. Un match assez fermé quand même, hein. C'est quoi cette fucking passe? Non. Pas fait vraiment ce que je voulais, mais en tout cas c'était une bonne récupération. Hop. La frappe, non. c'est pas vrai, c'était sublime ce slalom. C'était sublime, j'avais réussi à effacer les deux défenseurs. Oh, toi qui dis toujours que la puissance ça fait pas tout. C'est bien repoussé par la défense. Putain, mais il n'y a jamais personne dans la réception du ballon. Toujours 0-0, mais il reste du temps. Ça sort, ça. Sur la touche, sa préparation est terminée. On dirait qu'il y a du changement dans l'air. Ils ont pas mal tenté jusqu'ici, mais sans résultat. Peut-être que ce changement peut les aider à ouvrir le score. C'est quoi cette passe, garçon? Fais gaffe dans tes passes. Bon, je vais pas trop me plaindre parce qu'elle était à ras de terre comme ce que je voulais. Allez, tu pousses. Non, t'as pas le droit de perdre. Pourrait faire rentrer des joueurs frais, il leur reste deux changements. Ricky. Il joue dans l'espace. Le mec, il passe tout le monde, tu sais. T'as raison qu'il perd le ballon derrière parce que... Je sors jamais, quoi. Incroyable. Le mec, il veut me faire mourir sur le terrain. Ouais, mais vas-y, ta passe, là, aussi, là. Putain, mais pourquoi il y a personne qui va au ballon? Putain, mais vous savez pas aller au ballon? Putain, c'est incroyable, ça. Il y a jamais personne qui va au ballon. Allez, mais tu le rentres dedans, là. Il le laisse passer, ça c'est un truc incroyable. On a la chance de pas perdre quand même. Hein. Parce que là on se fait totalement dominer. Le défenseur il presse pas. Allez, putain, mais cassez-vous quoi. La frappe, non! Oh, Saigo, pourquoi tu m'as contré ça? Pourquoi tu m'as contré ça, garçon? Il ne l'aurait pas contré là. Il va falloir être précis. La passe est précise. Il peut en profiter. Au corner. Non, ça m'étonnerait quand même, faut pas déconner. Allez, essayez d'être précis, toucher un coéquipier. Ah putain, j'allais sauter plus haut que mon vis-à-vis quoi. Alors que mon vis-à-vis faisait 2 mètres. Allez, ça peut faire mal. Allez, c'est là où on va prendre un vieux penalty, non? C'est contré, il s'en sort bien. Alors là, il ne prend aucun risque. Ah, non! Comment il peut la prendre s'il n'a pas le droit? Il n'a pas le droit de la prendre! Il n'a pas le droit de la prendre, c'est pas possible. Comme souvent dans ces cas-là, c'est putain, comment il peut mettre le pied quoi? C'est pas croyable, 6-5. Putain, c'est incroyable quoi. C'est incroyable comment c'est dur quoi. 3 buts, 2 passes d'ess. C'est nul. Pour 11 matchs, c'est totalement nul. Match amical. Allez, un petit match amical. Putain, je vais pas jouer quand même.
Vas-y, fais-moi, tu me fais pas jouer. Non, mais t'abuses. Putain, mais ils sont tous ligués contre moi, quoi. Putain, je vais pas me plaindre de pas jouer là, parce que c'est un type qui fait tous les matchs. Ça va faire 2 semaines que le type il joue tout le temps. Allez, un dernier match contre la Serbie. On est à 35 minutes. Allez, dernier petit match avec le Japon. Bienvenue à vous, le stade Saitama, l'un des plus beaux stades du Japon. Et on est en bleu. La dernière fois qu'on a joué avec le Japon, ça s'était plutôt bien passé. Donc on va espérer. C'est quoi cette passe? Trou du cul! Oh, c'est pas vrai ça. J'ai presque tout en endurance. Comment c'est Et maintenant, possible? Zoran Tosic. Tadic. Kolarov. Attends, on sait comment le plan de jeu ici. Je suis d'accord, je suis tout seul devant. Je suis censé être tout seul devant. Il est passé, c'est pas fini. Voilà un début de rencontre que je qualifierais de prudent. De calme. Moi j'aurais dit calme. Ouh, la tête, le but. C'est bien joué. C'est bien joué. Un centre parfait, une tête réussie, ouais. C'est simple. Le centre a été sublime. Qu'est-ce que c'est bien joué ça? Comme quoi, pas besoin d'être un grand attaquant pour marquer de la tête. Non, mais tu peux. Ils ouvrent le Putain, j'ai cru qu'il allait perdre de ballon. De cette rencontre. Ah, quand même. Quand même. Il prend sa chance. Allez, la réplique. La réplique japonaise. Ça démontre toute l'efficacité de ses ballons en profondeur. Tout ce qui manquait, c'est une meilleure finition. Vas-y, ne la joue pas sur moi. Hein. T'es un abruti. Non, il est... c'est un abruti. Il la joue sur moi. Voilà, il a préféré jouer la sécurité. Tir manuel. J'ai fait un tir manuel. Je sais pas qu'est-ce que j'ai fait. Je crois que j'ai appuyé sur le mauvais bouton. En tout cas, on récupère la touche. Eh ben. Allez, là, vous prenez, là, vous prenez, vous êtes à 3! Putain, c'est pas possible, tu peux pas la prendre. Quand même. Pas de réussite sur cette balle en profondeur. Je crois qu'il ah ouais, mais. Avec le petit regard à son coéquipier, là, juste avant la passe. Putain, c'est Kagawa qui est à côté de moi, là? Et voici Zoran Tosic. Je vais rester poli avec toi, garçon, mais là, tu m'as fait un peu du caca, là. Hein, parce que le coup du je pars en appel, je pars pas en appel, tu me fais pas ça à moi, hein. Tu pars en appel, tu pars en appel, tu cherches pas. Putain, mais rate pas le ballon! Encore un quart d'heure avant la pause. En fait, ils sont pires que Villarreal. Je repars vers la droite. Non, mais c'est quoi cette passe? Là, ce coup-ci, je la voulais au-dessus, quoi. Putain, mais c'est pas vrai, quoi. Extrêmement dangereux. On va prendre un deuxième. Un centre tendu, à ras de terre. Oh, c'est loin du cadre. On était pas loin. Aïe 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 aïe. D'accord, fais-le sur moi quoi. Fais-le sur le joueur, ton joueur le plus petit garçon. J'étais trop loin, j'étais trop loin, je suis trop rapide dans mes appels. Allez. Le voilà servi. Il va se présenter devant le but. Quel but? Égalisation. Voilà. Égalisation. Le prochain but. Voilà. Putain, je marque plus facilement avec le Japon qu'avec Villarreal. Oh, c'était jamais facile les face-à-face avec le gardien, mais il est resté lucide. La passe était bonne. Il a gardé son sang-froid et pourtant le gardien ne lui a pas rendu la tâche facile. Voilà, la passe à ras de terre, là, c'était parfait, là. C'était parfait. Et c'est reparti, les deux équipes sont de nouveau à égalité. Alors là, ça peut être un très grand match parce que les deux équipes se rendent coup pour coup. Matic. Une très longue passe. Pressing, non, ça n'existe pas. N'apprends pas ça aux Japonais, le pressing. Pas assez physique pour ça. L'équipe a vraiment tout donné pour revenir au score avant la pause. Et elle a eu le mérite d'égaliser. C'est bien joué. Ouais. Les deux équipes n'ont pas réussi à se départager pour le moment. Elles quittent le terrain sur ce score, hein, partout. Mais ça, c'était avant, ça. Allez, allez, pressing, bien joué. C'était un bon pressing.
Otomo. Allez, la passe. Oh, tu le bouffes à la vitesse là, non? Stop à le bol quoi. Stop à de bol. Le ballon tombe dans mes pieds. Je fais une passe. Ça rebondit. Le joueur en bas. Oh putain. Garçon, fais gaffe quoi. Putain, t'as pas le droit de perdre le ballon deux fois de suite. Oh, t'as pas le droit de perdre le ballon là, garçon. Méfie-toi. C'est directement pour le gardien. Ça peut partir en contre. Longue ouverture. C'est quoi ça? Dans le tour de la défense. Oh, c'est pas vrai quoi. Attention à cette passe. Petite passe au-dessus. Ah. La frappe, oh la barre. Putain, j'ai explosé la barre, c'est pas vrai. Ah mais quel dommage, quel gâchis, mais il n'arrive pas. Il a terminé son échauffement, se rapproche du terrain, un changement va intervenir sous peu. Oh dommage. Matic qui remporte son duel. Bon monsieur Cossette passe. Putain mon pro tu déconnes, enfin mon joueur. Mon joueur tu déconnes. Voilà. Matic. Il déconne totalement quoi, c'est quoi cette passe pourrite qui m'a fait quoi? Je fais une petite passe ajustée, le mec qu'est-ce qu'il fait? Il m'envoie un truc beaucoup trop loin quoi. Correspondait pas du tout à ce que j'avais demandé quoi. Allez! Il y a moyen de mettre un petit pion là. Il va falloir porter le danger vers l'avant, il ne reste vraiment plus beaucoup de temps. Allez, ça c'est bien joué ça. Ça c'est bien joué ça. Il a pris tout le monde de vitesse. Ah putain. C'est repoussé par la défense. J'ai fait le con. J'aurais dû partir de l'autre côté quoi. Il se doit de partir dans son délire d'appel là. Il tire. La frappe. Ah putain. Ah. Merde. Merde. Oh putain, on aurait pu faire quelque chose. On aurait pu faire quelque chose. Bon, match nul un partout. Et je suis l'homme du match. Match nul un partout. Deux matchs à l'international, deux buts. Ça va. Ça va, ça va. C'est bien parce qu'il y a toutes les stats qui sont séparées. L'international, le club, la saison au club, le total général de la carrière. C'est plutôt pas mal. Et j'ai encore été intégré à la formation, putain, mais c'est pas vrai, quoi. Ça fait combien? 1, 2, 3, 4, 5 matchs de suite. Et là, avec un jour d'intervalle, deux jours d'intervalle, après Séville, on aura enfin 3 jours de repos. Putain, après Eibar, ce sera la semaine, quoi. Carrément la semaine. Bon, là, on va s'arrêter ici pour cet épisode. J'espère que ça vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à partager sur les réseaux sociaux et à commenter si vous avez quoi que ce soit à dire. Et moi, je vous dis à la prochaine pour la suite de cette aventure sur PES15 avec Villarreal. En mode vers une légende, hein, avec Villarreal. Allez, ciao!